Salut les amis, aujourd'hui on va au circuit Carole pour aller louer les petites Yamaha R3 avec les copains. Je suis surexcité après 2 mois de confinement, je suis comme un gosse. Allez, on y va, go, go. Donc là il y a mon pote Kevin, super sympa, qui vient me récupérer là, on l'attend avec sa petite Twingo. Au circuit Carole ? Ouais ! Elle est sympa ta Twingo hein ? Je l'ai acheté la semaine dernière sur un beau coin. T'as pris à manger en fait ? Ouais. Qu'est-ce que tu t'es fait à manger? T'as boulé un peu en mode Cyril Lignac, en mode confiné. T'as boulé et petit sandwich au carré d'autoroute. Oh mon dieu. Et toi? Petit triomphe. Et moi je me suis fait une salade mon petit. Avec tomate séchée, concombre, un petit chèvre, jambon de Bayonne. Et un dessert, les piments d'Espelette. Les pompotes du supermarché. Les pompotes, ouais, on a pris les pompotes aussi sans sucre. On est fit, on fait les courses de moto, enfin, dans nos têtes, hein, sur PlayStation. Voilà. Hey, j'ai les frissons, je te jure. We are the world. Non, c'est pas ça. Hola. Ça va toi? Bon. Eh ben, demi-tour, finalement, ils nous disent que c'est fermé. Non. On va au supermarché, Yann, et puis on va se faire un petit. Je crois que t'allais dire on va au super bike. C'est le mec, il est trop moto quoi. On est chaud, chaud. Bon bah je crois qu'on est en train de faire des trucs pour la pelote basque en fait, des trucs au sol. Faut juste un mur pour... Oh, putain, il fait non, là vous faites des trucs pour la pelote basque. Regardez qui voilà, Thomas Morcellino, bam, bam, John Moto GP, bam, 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 bam. Il est trop content quand je l'accueille comme ça. Surtout il fait super chaud. Ouais. Et le gars va faire péter le chrono, il va battre le record de la piste. Oh Valentin. Le gars est venu avec... 14 meules. Ça va? On a la petite Kajiva. Le Kajiva Mito SP Extrendi de Puny. Et derrière, on a un FZR préparé pour le VMA, tout ça. Bah écoutez, on va faire la recette maintenant qu'on a les ingrédients. On rajoute 2 poires au-dessus. Chacun son espace. C'est comme dans. Comment ça s'appelle le film Dirty Dancing? C'est ton espace, mon espace. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est passé il n'y a pas longtemps le film. Oh là là! C'est l'histoire de la vie. On peut rentrer en boîte de nuit. Bon, désolé. Je prendrai une bouteille à notre nom. Pardon. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? J'ai l'impression que je vais passer le bac à l'oral, tu sais. Prenez un sujet. Vas-y, c'est tout propre, tu peux te mettre là. Merci beaucoup. Là, tu reprends l'intérieur. Donc, tu freines ici, jusqu'ici. Hop, tu déclenches ton virage. Tu vas sur... Je vais vous déposer les mecs. J'ai les pneus. Regarde, ils sont pas usés. Tu vois? D'ailleurs, je peux jamais faire. Tu as pris une allez. Juste là, on peut sauver. Ouais, bah ouais. J'ai pris une tôle juste là. Fait 100 mètres, gauche, le 9. Donc voici notre emplacement. Là, ici, le groupe, on a le droit de ne pas avoir de masque. C'est autorisé. C'est pour ça qu'on n'en a pas. Il était le meilleur. Je vais lui enlever sa béquille. Balatatata. Netflix, la toute nouvelle série après The Last Dance. Bah bah bah. T'as kiffé quand même? Ouais, ouais, c'est grave. Il accélère et ça l'aide. Ouais, regarde, il est chaud. Hey, no stress, no stress at all. I try to push and I will see.
Mon cher Kevin. Oui. Comment fait-on pour louer une Yamaha R3 de 300 cm3 au circuit Carole? C'est très simple, tu as juste à passer un coup de fil au circuit. Tu leur demandes la réservation, tu peux faire ça tous les jours de la semaine. Il y a un créneau qui est particulier, qui est réservé juste pour ça, c'est le mercredi de 16h30 à 19h. Ouais. C'est simple, en fait, ils coupent le circuit en deux et tu as une partie réservée uniquement pour les motos de moins de 400 cm3. D'accord. Et ça, c'est top. En fait, c'est génial parce que tu commences avec une petite moto, c'est pas trop puissant et tu peux te faire plaisir. Vendredi boulot. Alors les gars, attention. Nous sommes avec Rémi Guyot. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe? Il est 16h30, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, il n'y a pas de bruit parce que tout simplement, il y a Christophe Guyot qui est sur la piste, ouais, en train de donner des conseils à quelques pilotes. Là, il y a même un pilote de mondial, hein, il y a Romain Doré, ouais, j'ai vu, pilote de 300. Donc là, on est sur le circuit sinueux, donc pas de ligne droite à Carole. Et donc, il va te donner des conseils et peut-être que tu en bénéficieras après. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? comment je dois le prendre, moi, s'il te plaît? Tiens! Mais le gars, en fait tu penses qu'il n'y a que des gars qui apprennent à rouler. Le gars, il roule en championnat du monde dans le Super Sport 300, quoi. Tiens, Yann, merci pour t'écouter. J'ai réussi à améliorer un petit peu, du coup. Christophe Guyot, là, qui... Bon, l'immense privilège de conseils de Christophe Guyot aujourd'hui. C'est la semaine prochaine, parce que je suis à côté, c'est ça. Seb, mais il a raison en plus, mais c'est vrai que t'es au niveau du lustrage, t'es le WD40, mon pote. Mais il n'y a pas de problème. Moi, Christophe Guyot, mais bien, mais c'est un d'accord, grand, mais moi aussi je suis comme voilà, Mélian, Staffler, Guyot, tout ça, et tout, plein d'autres gens qu'on aime beaucoup. Et la semaine Obama, prochaine, voilà. le mec il sait plus à force. Obama, Gandhi, tout ça, tout. Marc Mautret, tout ça, c'est bien, c'est du gentil. C'est... Bon, tu veux des places pour les. Oui. Regardez l'homme. L'homme le plus rapide du Kentucky. Ils sont énervés. Surveillé par tout le GMT là. De pression, mon pote. La bouteille à Christophe. Tu es comme un dingue, il y a Christophe Guyot qui va me panoter. Bon, il faudrait peut-être y aller là maintenant. On va faire le marché en plus. On va sur le panneau. Une super journée qui se termine au circuit de Carole avec le poteau. Bah, j'ai les gants, j'ai tout ce qu'il faut, donc là je fais attention. Bah, le poteau Kevin, ça fait plaisir. Aujourd'hui, tout le monde sur le circuit a fait attention justement aux gestes barrières par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et ça fait plaisir. Et en plus, tout le monde s'est fait plaisir. Donc c'était ouf. Et personne n'est tombé. Non. On s'est régalé. Et on aime la moto, quoi. Ah, ça c'est clair. Ça fait du bien. On y retourne bientôt. Allez, quand tu veux. Ah. À bientôt. Ciao.